drame ça qui passait dans Miragouane dans week-end passé à côté gagne une vingtaine de monde qui mouri boulé kangané dans cas d'accident si là. Nous pour aller garder plus de détails toujours avec correspondant nous et James Jean-Louis dans Miragouane. James Jean-Louis, bonjour. Bonjour Gary, bonjour Radio Caraïbe. Parce que nous sur Radio Caribéen FM en Miragouane à 99.1. On nous précise dit que il y a un gros problème en connexion internet sur toute région là, bon, l'impression est tout pays là qui vient faire que il est difficile pour que on monde communiquer par un WhatsApp parce que gros problème signal Digicel et également les problèmes problème d'être comme dans les mêmes déposés tout qui a passé par intermittence. En fait, voilà. Bon, information, c'est drame ça qui dit même arrivé dans Miragouane, samedi 14 en septembre 2024, là, Jean-Claude Johnny, lui même était en ville. Eh bien, c'est sur route Calbassier, ou Calbassier, qui c'est un détour, qui lui même relié, eh bien, Baniplan à travers un Carrefour Reynolds avec un route national numéro 2, hein, et dans la zone à Carrefour Calbassier. Maintenant, machine ça qui lui même explosé, qui sont camions, gaz, qui exposé, hein. Eh bien, lui-même, il était sorti pour au prince, hein, eh bien, à bord d'un bateau pour que lui-même, Livy, ni Miragouane, il prenne direction sud d'un pays, hein. Et dans monté mon Calbassier, hein, eh bien, il prend le gagner pour que lui croise ensemble avec un autre trailer qui lui-même était monté mon dans tout, qui était en panne, qui pas capable de monter, et n'en fait forcing pour passer à côté, pour que lui-même, lui, continue à aller, eh bien, camion qui était campé à le crever tant que trailer qui lui-même porte gaz là et sous base ça gaz a commencé simer chauffeur lui-même li al campé machine en hauteur maintenant et bien chauffeur moto moun ka passé qui wè gaz porte bourré al chercher bouquet al chercher galon vin ramasser gaz gen moun ki même monté sous d'autres trailer à même dans dynamique pour que eux-mêmes yo prend gaz quelques minutes hein, pendant que y a fait question ça boum trailer explosé pour pipiti 17 moun mouri ou quand est réellement pas identifier qui est-ce qui pour là qui est-ce qui pas pour là et bien qui exposé et bien 17 monde qui monde sur place ça nous dit que t'es gagne un monde dans transporter fond des blancs monde qui t'est arrivé devant l'hôpital fond des blancs tout mourir du coup fond des blancs pas compter comme étant un mort institutionnel après ça après il gagne 4 monde qui t'est mourir l'hôpital fond des blancs gagne un monde qui t'est mourir cette Thérèse en Miragouane mais pour que nous capable update information on nous dit bonheur matin il y a deux monde qui mourir l'hôpital en fond des blancs et au cas il y a un monde qui mourit et ça lui-même qui portait à 26 monde qui étant mourir en dedans incident si là mais faut que nous dit que le événement ça lui-même il vivait tout monde était transporté au d'urgence à l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane qui c'est l'hôpital départemental là qui c'est assuré l'hôpital de référence là mais avec un manque de capacité que l'hôpital a gagné pour que lui prend en charge volume de monde ça mais également incapacité région pour que lui-même lui prend en charge modèle de et victimes ça qui brûlait et bien il était obligé coordonner ensemble avec tout l'hôpital en périphérie qui c'est l'hôpital Fond des Blancs qui a gagné environ 11 monde qui étaient transférés là-dedans mais à part de ça il y a l'autre hôpital et personnellement qui portait à n'importe 23 monde qui étaient sous Fond des Blancs gagné également au cas l'hôpital Immaculée Conception qui lui-même était recevoir et quelques malades et c'est sous leadership du directeur départemental docteur février que question ça lui-même il fait bien l'hôpital Tigouave Notre-Dame Tigouave qui était voué ambulance venir Miragouane. C'est réellement une grosse mobilisation que nous-mêmes avons constaté sous leadership en direction départementale, là, docteur Jean-Jacques Laroche, qui a coordonné, mais qui a mis une cellule dans le niveau direction départementale là, pour travailler ensemble avec responsable en l'hôpital en Sainte-Thérèse, particulièrement docteur Donald François, mais également nous rendons compte que nous avons implication au plus haut niveau du ministère de Santé publique, du gouvernement. D'ailleurs, le même jour du drame, le premier ministre Garigoni était dans la région, particulièrement vers l'hôpital en Fond des Blancs, cette Boniface en Fond des Blancs, là que lui-même était sauvé avec 600 patients qui étaient même vraiment graves à bord d'un hélicoptère pour que eux-mêmes étaient transportés au Port-au-Prince parce que la situation lui-même était mandé ça. Et on nous dit que c'est environ 80 de monde qui ont même arrivé victime de incident ça si nous prend
ont environ quarantaine de monde qui ont même arrivé dans l'hôpital et Sainte-Thérèse, il y a l'autre qui était couru aller fondre blood direct, mais également monde qui ont même vin qui mouri, c'est environ 80-90 monde qui impliqué en dedans scène ça qui lui-même c'est une scène réellement regrettable qui lui-même pas supposé et rivé parce que li t'est capable arrivé si Matissan Mariani pas bloqué pas t'a bien nécessité bateau à transporter gaz là pour que li vini par Miragouane et de Miragouane pour que yo faire reste région an. Mais malheureusement situation que nous vivons là t'est tellement compliqué qui vient faire que c'est option ça qui lui-même qui gagne alors que mon Kalbasia son monde qui lui-même étroite et bien ça lui-même li provoquer réellement gros catastrophe ça que nous-mêmes nous réellement regretté. Maintenant tant pour nous te dire gagner tant pour président conseil président n'a parlé de monsieur Edgar Leblanc qui c'est mon Miragouane nous te rendons compte que le même jour qui lui-même a pris contact ensemble avec l'autorité sous département pour qu'on ait une question à l'unité. Et la coordination qui était montée, qui était gagnée PM, Gary Tony la donne, qui était gagnée Pignol et la donne, ou bien M. Josh Michel Baptiste, que nous apprenons, qui lui-même fait du job, mais qui était en de coordination en tout cas, qui était par vous. Également, tu as gagné l'unité nationale en résistance sanitaire, pas que nous, il est une de cela, qui ont même été mobilisés. C'est juste pour que nous disions que toute entité qui ont même été un rôle pour que vous ayez joué, eh bien, moi-même, je me compte que nous mobilisés autour de ça, qui est au niveau central, qui est au niveau départemental, mais également institutions de territoire qui ont même été réellement mobilisés pour permettre que gagne un minimum de réponse qui lui-même arrive bail avec en situation ça que nous-mêmes nous avons vivre dans Miragouane. Je dis à la, faut que nous disions que son situation apparemment qui stable, stable dans la mesure que l'hôpital en Sainte-Thérèse dans le moment pas gagné de malades à influence en la donne, sinon yon seul cas que yon même yon te quitté, gagné pour matin, selon information que nous gagnons, équipe de OPSOMS qui t'a supposé arriver sous département pour porter entrant, pour alimenter l'hôpital Fondeb Blanc qui gagne quelques cas, bon, te gagne 8, qu'on y a li gagne 2 qui mourir, il était 6, pour alimenter au cas qui te li même, te gagne 5 patients, qu'on y a qui était 4, et gagner l'hôpital en Bethel, c'est l'information que nous gagnons, qui même t'es quelques monde qui transporte là-dedans, mais moun sa yo tout, il y a besoin d'entrants qui sont de l'OPSOMS ou du moins de notre partenaire pour y débat de soins palliatifs, parce que pour l'instant, région Grand Sud n'a pas les capacités pour que lui-même n'y prenne en charge qualité de brûler sa yo qui ont même arrivé au troisième degré. Et si pas forcément gagner un ou qui fait au plus haut niveau pour que l'on prenne moun sa yo en charge, nous mettons dit que c'est de monde qui ont même attendu l'an mollant pour la simple bonne raison que région saturée et pas gagné professionnel qualifié assez disponible sur région qui est capable de prendre en charge un modèle de maladie.